J'espère que vous avez apprécié autant que moi le petit prélude musical à la prédication un matin. Ça fait longtemps que j'ai hâte de pouvoir jouer à B.B. King devant une prédication. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça c'est B.B. King. Chanson s'appelle « To know you is to love you ». OK? Puis ça sonne bizarre. Pourtant, c'est justement de ça qu'on parle le matin. Pas de B.B. King. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner en Jean, chapitre 4. Comme d'habitude, il y a des lignes en arrière pour prendre des notes, si vous voulez. Il y a de la matière à la réflexion à l'intérieur, puis à l'extérieur aussi, je pense. Vous avez aussi des textes bibliques. Donc, en Jean 4, Jésus a une discussion avec une femme samaritaine. Je me rappelle... J'ai fait une prédication sur ce sujet quand j'étais à Trois-Rivières. Voilà, oh, ça fait longtemps maintenant, probablement une dizaine d'années, sinon plus. Et j'étais encore en train de maîtriser un peu le français. Tu étais là, peut-être tu t'en rappelles de ça. J'en ai parlé du fait qu'il ne faut pas tourner autour du poteau. Et là, tout le monde part à rire. Surtout ceux qui étaient dans mon groupe vie, parce que cette semaine... Dans mon groupe, j'en avais parlé de la femme au... Excusez-moi, là, c'est comme ça que je l'avais traduit, je l'avais prononcé dans le temps, j'avais parlé de la femme au pute. C'est puis, mais je l'avais pas bien prononcé. C'était dans mon anglais, de manière anglophone en ce temps-là, P-U-I-T, ça veut dire pute. Pas puis. Alors, quand que j'ai dit le dimanche matin, il ne faut pas tourner autour du poteau, toute une rangée de personnes dans l'église sont parties à rire comme en plein milieu de la prêche, puis tout le reste du monde riait, mais ne comprenait pas pourquoi eux autres ils riaient autant. En Jean 4, Jésus a cette discussion avec la femme samaritaine. Durant la discussion, la femme essaie de tourner la discussion vers un débat sur la question de comment et où on fait la louange ou l'adoration de Dieu. Elle dit, Jean chapitre 4, verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, elle est samaritaine, elle parle à Jésus qui est un juif, vous les juifs, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. » Jésus répondit en disant, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Un matin, je veux regarder la question de l'adoration. En Luc chapitre 10, les versets 38 à 42, on voit un récit d'un événement qui a eu lieu. Jésus s'en va visiter des amis. Et on voit ceci. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui... s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? » Notez-le bien, où sont les personnes? Marie est assise aux pieds de Jésus-Christ à écouter ses paroles. Marthe est en train de servir le Seigneur en préparant de quoi manger pour... tout le gang. Marthe est offusquée. Comment ça que sa sœur, Marie, ne fait rien? Elle, littéralement, elle ne fait rien. Elle s'assit et elle écoute. Aucune action. Elle n'aide pas Marthe à la préparation pour le repas.
Marthe, offusquée, demande à Jésus, « Voyons, ça te fait rien qu'elle ne m'aide pas, puis qu'elle fait, elle t'assit là. » Puis, notez-le bien, la réponse. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui serait pas point ôtée. » Marthe court partout pour servir le Seigneur. Elle prépare les repas, elle sort les bonnes assiettes, elle prépare la table. T'sais, elle check le four, après ça, elle s'en va au micro-ondes, puis il y a des choses là. Pis... OK, il n'y avait pas de micro-ondes dans ce temps-là, mais vous comprenez le point. Marie s'assit au pied de Jésus, puis elle écoute. En Jean, on voit Jésus qui explique des changements qui avaient déjà commencé, pas quelque chose qui allait venir, quelque chose qui ont déjà commencé à exister en rapport avec l'adoration. Le Messie est arrivé. Dieu marche sur la terre parmi nous. Ce n'est plus au temple que se passe l'adoration. Ceux qui adorent Jésus peuvent maintenant l'adorer partout, pas juste dans un seul lieu. En Luc, nous voyons l'enseignement que ce qui est vraiment bon à faire est moins de courir partout avec tout plein de services et de bonnes choses, mais de s'asseoir au pied de Jésus puis l'écouter, d'entendre ses paroles et de contempler le Seigneur. Il ne faut pas, par exemple, qu'on tombe dans un excès. Il y a un bon temps, il y a un temps et un lieu pour toute chose. Il y a un temps et un lieu pour servir, mais aussi un temps et un lieu pour s'asseoir puis écouter. Puis si on n'a jamais ce temps de s'asseoir puis de contempler le Seigneur, on manque la meilleure chose, comme dit Jésus-Christ. On manque la meilleure chose. Tout ce qu'on va dire un matin revient à une seule phrase. On le voit dans la... qu'est-ce qu'on appelle ça? Le catéchisme Westminster, qui a été écrit par des protestants en Angleterre, puis est utilisé par toutes les églises presbytériennes et anglicaines, supposé être utilisé par eux autres encore. Ça revient à une seule phrase, la première question, qu'est-ce que le seul et unique but de l'homme? Le but ultime de l'homme est de connaître Dieu et de le glorifier éternellement. C'est ça le but de l'homme. C'est pour ça que nous sommes créés, de connaître et de glorifier Dieu. Et tout ce qu'on va dire un matin revient à cette seule phrase. Ou comme Augustin l'a dit dans ses confessions dans le premier chapitre, « Dieu, tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans espérance, et roué d'inquiétude jusque temps qu'il trouve son repos en toi. » Ce matin et le dimanche prochain, nous allons faire une mini-série sur l'adoration de Dieu. À matin, je vais vous parler des aspects plus théoriques. Et quand je dis théorique, je veux dire, mettons, théologique. Et quelque chose d'intérieur. On va parler de, on pourrait dire, des attitudes du cœur. Semaine prochaine, Will va venir parler de comment faire l'adoration dans un certain sens. Qu'est-ce que c'est l'adoration ou comment est-ce qu'on manifeste l'adoration dans l'extérieur? Pour comprendre ce point-là, Stephen Charnock, une puritaine, il a écrit un grand tome, ça s'appelle « L'existence et les attributs divins de Dieu ». Et dans ce tome, il y a une section qui est comme la grandeur d'un livre que nous, on voit comme un livre aujourd'hui. Là. T'sais, nous autres, des livres, c'est gros de même. Dans ce temps-là, les livres étaient gros de même ou de même. Ben, une section dans son livre qui s'appelle « Sur l'adoration spirituel. » Et dans cette livre-là, il dit ceci, « L'adoration n'est rien d'autre que de donner à Dieu l'honneur qui lui est dû. » L'adoration n'est rien d'autre que de donner à Dieu l'honneur qui lui est dû. Il dit un peu plus tard, « La matière de l'adoration est spirituelle. » Ça sonne drôle, hein? La matière est spirituelle. C'est-à-dire que le qu'est-ce que c'est, le fond de l'adoration, c'est spirituel. C'est l'amour de Dieu, la foi en Dieu, le recours à sa bonté, la méditation sur lui et la communion avec lui. Ce qui est essentiellement la même chose que dit Thomas d'Aquin. Quand lui parle de l'adoration, où il dit que l'adoration a pour but
d'honorer celui qui en est l'objet. Quand on adore quelque chose, on l'honore. On lui donne l'honneur qui lui est dû. La dévotion ou l'adoration donnée à quelque chose semble être rien d'autre qu'un acte approprié fait à son égard. La dévotion ne peut pas être donnée à Dieu d'une manière que notre action pourrait lui faire du bien ou l'aider, par exemple. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête. Quand on adore Dieu, là, on ne lui fait pas du bien. Vous comprenez ce point-là? Si moi, je viens vous voir puis je vous applaudis pour quelque chose que vous avez fait, ça te fait de bien dans un certain sens. Tu as comme un petit sentiment à l'intérieur qui fait « il pense que ce que j'ai fait, c'était bon. » Suivi souvent par « wow, faut pas être trop orgueilleux. » Yes. Il y a comme toujours cette bataille intérieure quand on applaudit quelqu'un. Mais quand on applaudit Dieu, il n'y a pas un sentiment de « ah, oh, il m'aime. » « Oh, il trouve que qu'est-ce que j'ai fait, c'était bon. » On ne change pas Dieu à ce niveau-là. On n'ajoute rien à lui. Il est le bonté. Il est le bien. Il est l'amour. T'sais, on ne peut pas ajouter à ça. Ce n'est pas comme si on peut donner plus de joie à ce qui est la joie. Vous comprenez le point, là? Tu ne peux pas faire du bien à quelque chose qui est le bien, point. Vous comprenez ce point-là? Donc, quand on adore Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour que lui, il se sente bien. C'est ça qu'il est en train de dire ici. En fait, qu'est-ce que c'est l'adoration? C'est seulement parce que nous se soumettre à lui et démontre que nous sommes ses sujets. On est en train de reconnaître sa place et notre place face à lui quand on fait l'adoration. 1 Chronique 16, 24 et 29. Raconter parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. Verset 29, rendez gloire au nom de l'Éternel. On lui donne ce qui lui est dû. Et psaume 29, 2, rendez à l'Éternel la gloire de son nom, la gloire qu'il est dû. Ce qui signifie, bien entendu, qu'on le reconnaît comme tellement supérieur à nous et souverain sur nous qu'on se voit à notre place. Ses serviteurs, sa création. Finalement, l'adoration lui est due à cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'on est, parce que tout lui est dû. Charnock y fait remarquer que la véritable adoration doit être faite à la fois de manière spirituelle et matérielle. Il dit ceci, « Dieu a désigné deux parties du culte ou de l'adoration qui ne peuvent être accomplies sans le corps, comme par exemple les sacrements. » Nous en avons besoin parce que nous ne sommes pas entièrement des créatures spirituelles et incorporelles. Parfois, on pense que l'adoration est entièrement spirituelle. Il n'y a rien de matériel dedans, il n'y a rien de physique dedans. Et les théologiens chrétiens, autant protestants qu'avant la Réforme, Augustin, Thomas d'Aquin, etc., ils nous font remarquer que, attends une minute, si on est juste esprit, OK, alors l'adoration n'est que spirituelle. Mais nous ne sommes pas des êtres spirituels. Autrement dit, on n'est pas des anges. On est êtres humains. Ce que veut dire qu'on est composé de corps et d'esprit. La personne est à la fois physique et spirituelle. Et donc, l'adoration n'est pas juste spirituelle. Ça, c'est ce que dit Charnock. La religion qui consiste dans les externes seulement n'est pas de nature intellectuelle. Une adoration purement intellectuelle est trop sublime pour une nature comme la nôtre, qui est allié au sens et qui dépend beaucoup sur les sens. Le mode de l'adoration chrétien est proportionné aux deux. Cela fait sans aider le mental et élever l'esprit au-dessus des sens. Donc, l'adoration chrétienne comprend qu'est-ce que c'est l'être humain, un être de corps et d'esprit, et l'adoration chrétienne fait les deux. Tu sais, des fois, on pourrait dire, non, c'est totalement spirituel, puis tout de suite, je vais te demander la question. OK? Qu'est-ce que vous voyez comme adoration? C'est quoi l'adoration? Puis des gens, souvent, on dit, l'adoration, c'est de chanter à Dieu. OK? Est-ce que chanter est une action qui est purement spirituelle ou est-ce que c'est physique? C'est physique, si on est honnête, hein? C'est parce que tu ne peux pas chanter, là, si tu n'as pas une boîte vocale. Si tu n'es pas capable de produire un son de, ta bouche, qui est une chose physique. Voyez-vous? Donc, l'adoration
Et ça, c'est juste un aspect. On pourrait aller dans tous les modes. Je vais laisser Will regarder les différentes manières d'adorer Dieu. Je vais laisser ça entièrement à lui. Mais si on prend juste un exemple, celui qu'on prend souvent comme la chose qui est l'adoration, c'est une chose qui est à la fois physique et spirituelle. On exprime, on manifeste notre adoration pour Dieu de manière physique. Et donc, nous allons regarder cette semaine l'aspect, on pourrait dire, le fondement et objet de l'adoration. Et ce qui, on pourrait dire, l'aspect, on va regarder l'aspect intérieur de l'adoration, l'intellect et la volonté. L'adoration de Dieu doit être un acte qui implique la personne entière. Ce n'est pas juste une affaire des émotions ou des actions physiques. Des animaux ont des émotions, puis des corps physiques, ils font des actions physiques. Mais nous, on adore Dieu. On fait quelque chose de plus. Par leur raison, on choisit de l'adorer ou de ne pas l'adorer. L'adoration, ce n'est pas juste chanter, ce n'est pas juste lever ses bras, applaudir ou juste même écouter. C'est plus que ça. Ce n'est surtout pas une affaire des émotions déchaînées. En fait, comme dit Charnock, le cœur doit d'abord être jeté dans le moule de l'Évangile avant de pouvoir accomplir l'adoration exigée par l'Évangile. On ne peut pas, en fait, adorer ce qu'on ne connaît pas. C'est à la fois un acte de l'intellect et de la volonté. Quand on adore Dieu véritablement, on le fait sur la base de la vérité et on fait de la manière volontaire. Une adoration qui n'est pas volontaire, qui ne vient pas de nous, on pourrait dire, n'est pas une adoration. Le foule qui se tient devant le dictateur puis qui applaudit ses bienfaits par peur de se faire tirer, ne lui adore pas. Ce n'est pas un acte de leur volonté. Le culte est un acte de compréhension, de l'intellect, s'appliquant à la connaissance de l'existence de Dieu et aux pensées actuelles ou réflexions actuelles sur sa majesté. En le reconnaissant comme le Seigneur et gouverneur suprême du monde, qui vient de la connaissance naturelle, contemplant la gloire de ses attributs comme rédempteur, qu'on connaît à travers l'Évangile. Qu'est-ce que, en fait, l'objet de notre adoration? C'est clairement Dieu, connu à travers la nature et à travers sa parole. Comme dit Charnock, le premier motif du culte que nous rendons à Dieu est l'excellence infinie de sa nature, qui n'est pas seulement une attribut, mais résulte de tous les attributs divins. Car Dieu, en tant que Dieu, est l'objet de l'adoration. Et la notion de Dieu ne consiste pas à la pensée sage, bon, juste, mais tous ceux qui dépassent infiniment toute conception. Et donc, il s'ensuit que Dieu est un objet à aimer et à honorer infiniment. Quand on comprend qu'est-ce que Dieu, d'un certain sens, si on reprend les paroles de B.B. King, quand on le connaît, on l'aime. Le connaître, c'est l'aimer. Avant de pouvoir adorer Dieu, il faut avoir un minimum de connaissance de qu'est-ce que Dieu. Ce qui présente, d'un certain sens, une difficulté. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Bien, moi, je connais Sébastien parce que je le vois là, j'interagis avec, je peux serrer sa main, je peux aller chez lui manger un bon steak, tu sais. On peut jaser de sa vie et je le connais. Je ne vois pas Dieu. Et en fait, Jean, dans son premier épître, dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Personne n'a jamais vu Dieu. Ça soulève une difficulté. Parce que tout ce qu'on connaît de Dieu provient soit de ce qu'on comprend à son sujet dans la nature, soit de ce qu'on comprend à son sujet dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il baisse le niveau intellectuel pour qu'on puisse comprendre, parce qu'on est nul comparé à lui. On est tous des idiots comparés à Dieu. Essayez de comprendre l'infini. Tu peux pas. C'est impossible. Nous sommes des êtres finis. Nous sommes des êtres limités. Et donc, on ne peut pas comprendre le divin. Mais il cherche à nous le faire comprendre, en le montrant, un peu comme nous, on montre des concepts à des enfants. Quand on veut que l'enfant comprenne quelque chose, on prend un petit livre
qui est majoritairement des images, avec quelques mots. Puis tu vois l'image d'un petit garçon qui court, puis on dit, regarde, Joe court. Puis l'enfant comprend qu'est-ce que c'est l'action et comment l'exprimer. D'un certain sens, c'est ce que Dieu fait dans sa parole. Il s'exprime de manière, d'un certain sens, comme les enfants parlent aux enfants. Il parle à nous comme nous, on parle à des enfants pour qu'on puisse le comprendre. On appelle ça théologiquement la condescendance divine. Il ne le fait pas parce qu'il est, dans le sens négatif du terme, condescendant envers nous. En fait, il le fait pour notre bien parce que si ce n'était pas pour la condescendance divine, on ne pourrait jamais rien comprendre de Dieu parce qu'il nous dépasse. Encore, pensez-y. Éternel, autrement dit, pas temporel. Essayez de comprendre et imaginez dans ta tête qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être dans le temps, de ne pas être mesuré par le temps. Tu ne peux pas. En fait, ton concept de être éternel est même temporel parce que quand tu essaies de réfléchir, ben il y a plusieurs secondes, peut-être des minutes, ensuite finalement des heures, puis peut-être quelques jours, puis finalement tu lâches parce que tu n'es pas capable. Mais ton concept de l'éternité est même temporel. Essayez de comprendre immatériel. Tout ce qu'on peut comprendre quand on parle de l'immatériel, c'est l'absence de ça. Vous comprenez ça? Mais à part de ça, quand on imagine Dieu, puis on essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu, le mieux qu'on peut faire souvent, c'est une genre de lumière nébuleuse. Mais quand, si on pense bien comme il faut, bien, la lumière, c'est quand même elle-même matérielle, n'est-ce pas? Et cette nébuleuse, il y a une forme, il y a une limite. Mais Dieu n'a pas de limite. Il n'est pas matériel. Il n'est pas étendu. Mais il est partout. Ça nous dépasse. Et donc, Dieu condescend à notre faiblesse pour qu'on peut prendre, qu'on peut comprendre quelque chose à son sujet. Finalement, comme Paul dit concernant les douleurs de ce monde et la gloire à venir, il n'y a pas de comparaison entre nous et les choses que nous on connaît et Dieu et qu'est-ce qu'il est. Mais on peut connaître un peu. Au moins par image, au moins par analogie, au moins par négation. Tu sais, quand on parle de Dieu, on peut comprendre par négation qu'il n'est pas ce que nous sommes. Nous, on est temporel, il n'est pas. Nous, on est matériel, il n'est pas. Notre connaissance est extrêmement limitée, le sien n'est pas du tout limité. Notre puissance est un peu limitée, en fait, vraiment limitée, en fait. On découvre ça à tous les fois qu'on essaie de faire des travaux physiques, on découvre à quel point notre puissance est limitée. Le sien n'est pas du tout. Pas du tout. Aucune limitation. Et donc, par cette négation, on réussit à comprendre quelque chose au sujet de Dieu. Et ce petit peu de choses qu'on réussit à comprendre nous pousse à vouloir l'adorer. À le reconnaître, à lui donner l'honneur qui lui est dû, comme quelque chose qui nous dépasse tellement qu'on ne peut pas faire autrement que de dire « Wow! » et de s'émerveiller. Donc, quand on adore Dieu, une des choses qu'on est en train de faire, c'est de regarder ses attributs puis de le glorifier pour ce qu'il est. On connaît ses attributs, un, à travers la nature. Puis justement, Charnock et plusieurs théologiens à travers les siècles ont remarqué que l'homme, tout seul, sans la parole de Dieu, est capable de reconnaître, un, que Dieu existe, quelques-uns de ses attributs, et que puisqu'il existe et qu'il est aussi grand, qu'on devrait l'adorer. Et on voit ça dans les religions païennes. Tous les païens ont compris Dieu a besoin d'être adoré. Peut-être pas le bon Dieu. Ils ont adoré des fausses divinités. Mais ils ont reconnu que s'il existe une divinité qui est beaucoup plus puissante qu'eux autres, qui dirige leur vie en général, faudrait l'adorer. Ce serait ridicule de ne pas le faire. Et c'est ça que faisaient les cultes païens. En fait, Martin Luther explique que l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux, c'est la démonstration que l'homme est capable de connaître quelque chose au sujet de Dieu à travers la nature.
est capable au moins de reconnaître qu'il y a une puissance supérieure à lui à qui on doit l'honneur. Et Charnock va dire, en fait, il donne ça comme une des raisons pour lesquelles, quand on fait notre adoration envers Dieu, ça devrait toujours être le plus excellent qu'on est capable. On devrait toujours donner à Dieu la meilleure de nous. Puis une des raisons, c'est, regarde, mes frères, mes sœurs, même les païens savent qu'ils doivent donner leur meilleur. Même s'ils le font mal, même s'ils font un mauvais Dieu, ils savent qu'il faut donner leur meilleur. Puis si eux le savent, comment est-ce que nous, on peut être aussi nuls pour ne pas le faire? Mais la Bible aussi nous parle des attributs divins. Quels sont quelques-uns de ces attributs qui devraient nous motiver à vouloir adorer Dieu? Quelles sont ces choses qui, quand on les comprend, quand on réalise qu'est-ce que c'est, ça devrait nous pousser à adorer? Bien, à travers la Bible, une des raisons principales par laquelle on nous incite à adorer Dieu, c'est le fait qu'il est un créateur puissant. Psaume 95, 4 à 6. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou. Notez toutes ces actions-là, ces actions physiques. Prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui vous a fait. Il est le Créateur tout-puissant. Des choses qu'on prend, on peut prendre longtemps à traverser. Mettons, on embarque dans un bateau aujourd'hui puis on essaie de passer l'Atlantique. C'est Dieu qui l'a formé. Un peu comme un enfant dans son boîte de sable qui fait un trou puis met l'eau dedans. Quand on pense que Dieu est tellement puissant que l'Atlantique ou le Pacifique, pour lui, c'est comme un petit trou avec de l'eau dedans qui peut effacer si ça étend, parce que bon, on va faire quelque chose de plus grand, c'est ça? Comme un enfant en forêt peut-être. Quand on réalise ça, on devrait se courber devant lui. Jérémie 10, versets 6 à 7 et versets 12 à 13, on lit ceci. « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Il, parlant de Dieu, a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les yeux mugissent dans les cieux. Les eaux, excuse-moi, mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. » Toutes ces choses dont, sur lesquelles on n'a littéralement aucun contrôle, il parle, puis ça arrive. Puis là, on lit ça, puis après ça, on lit pour Jésus-Christ qui est dans un bateau en plein milieu de la mer de Galilée, puis il y a des tempêtes qui arrivent, puis lui, Jésus, il dit, « Hey, tais-toi! » Un lac miroité, là, tu sais. Il tient tout dans sa main. On devrait tourner vers lui pour l'adorer. Notez, on a parlé de quelques versets, on a en psaume, Jérémie. Notez c'est quoi le chant des saints au ciel, en Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Il faut l'adorer parce qu'il a tout créé. Et si tu veux vraiment, d'un certain sens, je vous ai déjà suggéré au début de l'année, une des meilleures manières d'adorer Dieu, c'est de sortir dehors, de voir tout ce qu'il a créé et d'être ébloui, émerveillé devant sa création. De comprendre que ce Dieu, notre Dieu, a tout créé ça. Puis le petit peu de création qu'on voit quand on sort dehors est rien comparé aux grandeurs et magnifiques créations qu'on peut voir à travers le monde. Mais ce n'est pas juste parce qu'il est le créateur
Tout-Puissant. C'est aussi parce qu'il est il règne souverainement dans ce monde qu'il a créé. Psaume 22, 29 à 30. « Car le règne est à l'Éternel. Il domine les nations. » Ça devrait d'ailleurs, les votes, puis tout ça, ça en vient dans pas trop long. Puis souvent, c'est très facile de venir frustré un peu parce que le vote ne va pas comme on voudrait. Attends une minute. Revenir à la parole de Dieu. « Le règne est à l'Éternel. Il domine sur toutes les nations. » Il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans que c'est lui. Donc, même si les choses ne tournent pas comme on voudrait, on sait que ça tournait comme Dieu voulait. Mais on peut terminer. Tous les puissants de la terre mangeront et se prostreront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. On regarde tous nous autres, on voit des puissances mondiales. On regarde des hommes riches qui ont dit, « Oh, ils dirigent tout ce qui se passe dans ce monde. » On voit des rois, on voit des dictateurs, on voit des hommes puissants qui peuvent diriger et même, sur une petite presse de bouton, peuvent détruire certaines parties du monde et des centaines de milliers de vies. Et qu'est-ce que dit Dieu? Eux se prosterneront aussi devant Dieu. Devant lui plieront tous ceux qui descendent. Dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Ils peuvent détruire bien de vie. Ils ne peuvent même pas conserver le leur. C'est leur vie dans la main de Dieu. Tout comme le nôtre. Et on pourrait dire que ce niveau-là, on est tous égaux. Et quand on réalise ce point-là, on veut tomber face à terre devant celui qui tient nos vies et les vies de tout le monde dans sa main. Psaume 95, 2 à 3. Allons au-devant de lui pour le célébrer. Avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tout est en dessous de lui. Et il contrôle tout. Nous sommes aussi encouragés à adorer Dieu parce qu'il est bon, miséricordieux et beau. Et c'est drôle, hein, parce que souvent, quand nous, on parle de la beauté, on voit des choses physiques. Là, on voit une belle peinture. On voit une statuette, on voit des œuvres que l'homme a faites, ou, si on veut être un peu plus sain, on voit la terre que Dieu a créée, à quel point c'est beau. On attribue la beauté à des choses matérielles. La Bible dit, non, Dieu est beau. Zacharie 9, 17. Oh, le prophète proclame, oh, qu'il est bon, qu'il est beau. Vois l'émotion dedans. À travers les psaumes, je ne citerai pas toutes parce qu'ils disent quasiment toutes la même chose, mais un exemple, c'est psaume 106, verset 1. David proclame sans cesse, « Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et ça, c'est un verset, tu marques ça, car il est bon. Marque ça dans une recherche biblique, là, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de versets qui disent exactement ça. Louez l'Éternel, car il est bon. En hébreu, on parle d'un autre attribut divin qui devrait nous inciter à l'adoration. Puis, celui-là, c'est peut-être moins clair pour nous autres. Il dit ceci, Hébreu, chapitre 12, le verset 28 à 29, « C'est pourquoi... Puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu une culte, une adoration qui lui soit agréable, excuse-moi. Et non, je vais juste arrêter deux secondes. Notez-le bien. Ce n'est pas tous les cultes ou adorations qui sont agréables à Dieu. Parce que si on dit rendez à lui une culte ou une adoration qui lui est agréable, ça sous-entend quoi? Qu'il y en a qui ne le sont pas. Et en fait, on voit ça dans la Bible, c'est assez clair. Les deux premières personnes qui ont essayé de rendre adoration à Dieu, si je me rappelle, ma mémoire est bonne, Caïn et Abel. Et c'est quoi que Dieu a dit à Caïn? Ton adoration, ce n'était pas bonne. Celle d'Abel, c'était bonne. Après ça, on voit à travers la loi comment que Dieu donne des prescriptions sur comment qu'il veut être adoré. P-
Puis on pourrait dire, ouais, ça c'est la loi des Juifs, ça n'a pas rapport avec nous autres aujourd'hui, mais on peut quand même aller en 1 Corinthiens 12, 13, 14. Et dans le chapitre 14, une chose qui est très claire, Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit ça pour expliquer pourquoi il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. C'est une manière d'agir quand on est ensemble pour adorer Dieu. Donc, on revient au verset, Hébreux 12, 28 à 29. « Rendant à Dieu une culte qui lui soit agréable, notez-le, avec piété et avec crainte. » Autrement dit, puisque notre Dieu est entièrement saint, saint, ça veut dire mis à part, il est, d'une certaine, ça veut dire mis à part, puis des fois quand on parle, mettons, sainteté morale, on est en train de dire qu'on est mis à part du monde côté moral. Tu sais, le monde agit de même, Dieu veut qu'on agisse de même, mis à part, différent des autres, OK? Mais quand on dit simplement rien d'autre, aucune autre qualification, Dieu est saint, on n'est pas en train de dire qu'il est moralement mieux que les autres. On est en train de dire qu'il est totalement différent, point, sur tous les niveaux des autres. Puisqu'il est tellement distinct de nous et en plus il est juste, il faut l'adorer. Et ce verset termine en disant, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Est-ce que ça ne vous incite pas à adorer? Vous voyez ça, puis ça fait comme, « Attends, ça devrait me pousser à adorer? » Oui, dit l'auteur aux Hébreux. Notre Dieu est juste. Adore-le. Notre connaissance de Dieu, puis là, je pourrais aller longuement, là. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en parler. Mais je ne veux pas prendre tout le matin parce que je veux arriver à d'autres choses. Mais vous voyez que notre connaissance de Dieu, notre connaissance de ce qu'il est et qu'est-ce qu'il a fait, devrait nous pousser à l'adorer. En fait, sans le connaître, on ne peut pas l'adorer. C'est impossible. Aucune adoration de Dieu ne peut pas arriver à moins de savoir c'est qui qu'on adore. Puis, certaines personnes, et des fois, je me fais reprocher parce que je suis théologien, puis je pense que c'est important d'avoir la doctrine, d'avoir une bonne compréhension de qu'est-ce que Dieu. Puis, non, l'adoration n'a pas rapport avec qu'est-ce que Dieu. Bien, ça dépend. Prends ça, puis dis la même chose à propos, mettons, ta femme. Dire que tu aimes ta femme sans le connaître, c'est juste ridicule, n'est-ce pas? En fait, imaginez là, un homme qui dit « Ouais, je suis marié. T'es marié à qui? » « Je ne sais pas, mais je l'aime beaucoup. » Quoi? Attends une minute. Tu ne le connais pas? Ben, non, en fait, on ne m'a jamais parlé de qui elle est. Je ne l'ai jamais vue. Mais je suis en amour avec la femme. Je suis en amour avec la femme idéale. Mon frère, ça n'existe pas. Mais je l'aime tellement. Puis là, tu es comme « OK. » Appelle quelqu'un parce qu'il faut le mettre dans une chambre quelque part avec les mains attachées pour son bien. Parce qu'il aime quelque chose qu'il ne connaît pas. Et en fin de compte, qu'il n'existe pas. Ce serait la même chose que de dire on peut adorer Dieu sans le connaître. Vous voyez le lien? Non, je ne le connais pas tant que ça. Je ne connais pas ses attributs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais je l'adore. Ça fait quasiment comme... Tu sais, vous connaissez Actes chapitre 17, où Paul arrive à Athènes, puis il s'en va parler aux Athéniens, les Grecs, puis il dit, « J'ai remarqué chez vous un autel à un dieu inconnu. » Fait que là, il dit, « Je vais vous annoncer c'est qui ce dieu inconnu. » N'importe qui aurait pu faire ça parce qu'ils ne connaissent pas le dieu, ils ne savent pas c'est qui. Tu sais, après que Paul a passé, quelqu'un d'autre a passé, « Hey, j'ai vu un hôtel à un Dieu inconnu. Laissez-moi t'annoncer c'est qui ce Dieu inconnu. » Ouais, mais l'autre a déjà passé. « Oui, ne le connaissez pas, lui. Je le connais. » Puis vous ne le connaissez pas, fait que vous ne pouvez pas me dire si lui a raison ou si lui a raison. Tu ne peux pas adorer quelque chose que tu ne connais pas. Donc, sans la connaissance de Dieu, aucune adoration. Tournons maintenant vers l'aspect volontaire de l'adoration. Puis il y a deux choses vraiment que je veux regarder, mais remarquez-le bien. On a le choix de l'adorer ou de ne pas l'adorer. En Romains chapitre 1, une des choses que Dieu rapproche aux païens, c'est qu'ils savaient que Dieu existait,
qu'il était tout puissant et il connaissait quelque chose de sa nature divine, mais au lieu d'adorer Dieu, ils ont décidé d'adorer la création. Donc, ils sont coupables. Et Dieu les a laissés dans leur action mauvaise. La première reproche contre les païens, c'est qu'ils savaient que Dieu existait, mais ils ne l'ont pas adoré. On peut choisir de l'adorer ou de ne pas l'adorer. Donc, l'adoration implique non seulement une connaissance de qu'est-ce que Dieu, mais ça implique aussi nous, notre volonté, qu'on décide, qu'on choisit de lui donner l'honneur qui lui est dû, de le reconnaître comme la seule chose qu'on devrait désirer, l'objet de notre amour. Charnock explique ceci, que l'adoration est aussi un acte de la volonté par lequel l'âme adore et révère sa majesté et ravie de son aimabilité, embrasse sa bonté, entre dans une communion intime avec ce très bel objet et lui lance toutes ses affections. Notez toutes ces choses-là, c'est toutes les actions. On embrasse, on accepte, on rentre en communion avec. Il rajoute, sans le cœur, ce n'est pas l'adoration. C'est une pièce de théâtre. C'est jouer un rôle sans être vraiment cette personne qu'on prétend être. Un hypocrite, dans ce sens du mot, est un metteur en scène. On prétend être quelque chose qu'on n'est pas. C'est ça l'adoration, quand le cœur n'est pas dedans. Il dit, on peut dire qu'on adore vraiment Dieu, même si on manque de perfection dans notre adoration. Ça se peut que notre manière d'adorer Dieu n'est pas à 100% exactement sur qu'est-ce qu'il voudrait. Mais on peut quand même dire qu'on l'adore. Mais on ne peut pas dire qu'on l'adore si on manque de la sincérité, si le cœur n'est pas dedans. Notez qu'est-ce qu'il dit comme exemple. Une statue sur une tombe, les yeux et les mains levés, offre un service aussi bon et vrai que celui qui adore Dieu sans cœur. Il ne lui manque qu'une voix, les gestes et les postures, mais les postures sont les mêmes. En fait, il dit, le service est meilleur. Le statut sur une tombe avec les mains levées de même, son service envers Dieu, son adoration envers Dieu est meilleur que celui qui adore Dieu, mais non de cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une moquerie. Il représente tout ce qu'il peut faire. Mais adorer sans nos esprits, sans nos cœurs, c'est présenter Dieu avec une image, un écho, une voix et rien d'autre. Un compliment, un simple mensonge, en fait, un rassemblement de mensonges. Si le cœur n'est pas dedans, on se moque de Dieu. On est pire qu'une statue qui fait ça. Il y a deux choses que je veux parler un matin, parce qu'on parle souvent dans la Bible de la crainte de Dieu. Deutéronome 6, 13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. C'est à lui que tu rendras un culte, une adoration. Jésus, quand il cite ce verset, il le dit de la manière suivante. Tu adoreras le Seigneur. Tu notes ça? Deutéronome 6, 13. Tu craindras l'Éternel. Jésus dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. Le mot est changé, mais on est laissé avec l'idée qu'en fait, les deux veulent dire la même chose. La crainte de Dieu et l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est quoi ce crainte? À travers l'Ancien Testament, on parle de l'importance d'avoir la crainte de Dieu. Par exemple, on explique en Exode que Dieu a béni des personnes qui avaient de la crainte de Dieu, Exode 1:21. En Lévitique, on explique que ceux qui ont la crainte de Dieu ne feraient pas certaines actions. Lévitique 19:14. En Josué, on nous explique que Dieu a agi en faisant des miracles, okay? Afin que, Josué 4:24, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu.
Dans les psaumes, psaume 111, verset 10, par exemple, on dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Le psaume 33, verset 18, nous donne un indice de ce que la crainte de l'Éternel. Quand l'auteur dit « Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Ils savent que Dieu est puissant, mais qu'il est bon. » Et ça fait penser tout de suite, du moins pour moi, à Narnia. À Narnia, Lucy et le castor sont en train de jaser pour le fait qu'il faut qu'il rencontre Aslan. Puis le castor dit, ben, Aslan est un lion. Puis la réponse de Lucy, une petite fille, c'est, j'aurais peur de rencontrer un lion. Puis Madame Castor réplique, « Tu auras certainement peur, ma mignon, c'est sûr. S'il existe des gens qui peuvent se présenter devant Aslan sans que leurs genoux tremblent, ils sont soit plus courageux que les autres, soit stupides. » À la question, « Est-il dangereux? » M. Castor dit, « Dangereux? » Évidemment qu'il est dangereux, mais il est bon. On pourrait dire exactement la même chose de Dieu. Il a créé tout l'univers. Il tient nos vies et tout l'univers dans sa main. Il n'a même pas besoin de faire ça pour enlever la vie. S'il ne veut pas qu'on existe, on n'existera pas. C'est pas comme genre, il a besoin même de dire quelque chose. Il n'a même pas besoin de souffler. Il n'a pas besoin de clignoter un œil. Il a juste besoin de ne pas vouloir qu'on existe. Et on n'existe pas. Aller devant un Dieu de même, sans crainte, est juste stupide. C'est la folie. Mais, on sait qu'il est bon. Et Paul dit en Romains chapitre 8, 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce qui nous prépare pour Hébreux chapitre 10, 19 à 22, où ce qu'on dit, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus-Christ, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, la chair de Jésus-Christ. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc. D'un cœur sincère, notez-le bien, d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps d'une eau pure. Notez-le bien, on peut s'approcher de Dieu, pas sans peur ou sans crainte, il faut avoir ce respect, il faut lui donner l'honneur qui lui est dû. Mais on peut s'approcher de lui. Tout comme dans Narnia, finalement, Lucy se met sur le dos d'Aslan pour aider à travers les montagnes. Oui, il est dangereux. Oui, il faut avoir la crainte, mais il est bon. Et donc, approchons-nous de lui. Mais pas n'importe comment. Une sincérité du cœur. Une pleine foi. Et pureté de vie. Ceci nous amène à l'amour. Puis je vais faire ça plus rapidement. On peut parler de plusieurs types d'amour, l'éros ou l'amour érotique, qui n'indique pas juste un acte sexuel, mais en fait l'intimité entre deux personnes, émotif, intellectuel et corporel. On peut parler de l'amitié. C.S. Lewis, il mentionne que l'amitié, ce n'est pas deux personnes qui se regardent, mais deux personnes qui regardent quelque chose d'autre. D'un certain sens, nous autres, quand on est ici un matin, on est ici comme amis, non en regardant chaque soi-même, mais en regardant Dieu. Des amis se forment autour de quelque chose d'autre qu'ils aiment. En fait, pensez-y, là. Est-ce que tu as jamais vraiment parlé, toi et ton ami, là, à propos de l'amour que vous avez comme ami? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait réellement. T'sais, on ne s'assied pas pour, sauf peut-être à l'école primaire. Tu sais que, « Ah, mais elle n'est plus mon ami. » Mais tu sais, après ça, là, on n'en parle plus vraiment de ça. On est juste amis.
Puis si on décide d'analyser notre amitié, c'est pas l'un et l'autre qu'on aime, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre qui nous amène ensemble. Et on peut parler de l'agapé. Un amour qui donne sans recevoir. Quand on regarde chacun de ces types d'amour, on peut parler aussi de Stargate, qui est l'amour des parents pour les enfants. Quand on parle de chacun de ces amours, il y a une chose qu'on voit dedans, c'est que l'amour, c'est le désir d'être uni avec l'objet de notre amour. OK? Même avec des amis, c'est pas que les amis veulent être unis, c'est qu'ils veulent être unis ensemble avec quelque chose d'autre. Ils veulent avoir d'autres choses ensemble, c'est ça qui les amène ensemble. C'est le désir d'être uni avec l'objet de son amour qui qualifie ou caractérise toute l'essence d'amour. L'amour érotique, c'est le désir d'être uni, toi et ta femme, ensemble. Émotionnellement, spirituellement, physiquement, tout ça ensemble. Quand on parle de Dieu, sous cette idée-là, l'amour de Dieu, c'est ce désir d'être uni avec Dieu. Et quand on y pense de même, tout d'un coup, si on revient à B.B. King, de le connaître, c'est de l'aimer. Car la connaissance n'est rien d'autre qu'une unité spirituelle entre celui qui connaît et la chose qui est connue. Quand je connais quelque chose, je suis uni avec cette chose dans mon intellect de manière spirituelle. Et quand j'aime, j'ai désir d'être uni avec cette chose. Donc, la connaissance et l'amour reviennent ensemble, en fait, dans l'adoration. On va faire quelques nuances, puis on va terminer. Premièrement, notre connaissance de Dieu durant cette vie, comme j'ai déjà remarqué, c'est toujours une connaissance médiatisée. C'est toujours à travers quelque chose d'autre. On connaît Dieu à travers sa parole. On connaît Dieu à travers sa création. On ne le connaît pas directement. Comme Paul dit, 1 Corinthiens 13, 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je le connaîtra comme j'ai été connu. » Aujourd'hui, c'est une connaissance médiatisée à travers quelque chose d'autre. Mais quand on va se trouver face à face à Dieu, si c'est lui notre amour, nous allons avoir ce que nous avons désiré, l'unité, l'union avec Dieu. Deuxièmement, même si notre connaissance dans cette vie est toujours à travers de quelque chose d'autre, et donc partiel, comme Paul dit, un peu confuse, c'est quand même une connaissance. On connaît quand même quelque chose à propos de Dieu. Et ce petit peu qu'on connaît devrait nous pousser à tomber sur nos genoux dans l'adoration. Et c'est ça l'amour, ce désir de Dieu. Troisièmement, on arrive à notre connaissance de Dieu dans cette vie par la contemplation de sa nature qu'on voit révélée dans la nature et dans sa parole. C'est en contemplant Dieu, en réfléchissant sur qu'est-ce qu'il est, en le voyant, qu'on arrive à comprendre qui il est et qu'on arrive à le désirer plus que toute autre chose. Et finalement, puisque nous sommes humains, des êtres qui sont spirituels et matériels, habitant un monde matériel et spirituel, la contemplation et la connaissance de Dieu dans ce vie va conduire nécessairement à un amour de Dieu qui est toujours croissant. Le plus qu'on connaît Dieu, le plus qu'on va l'aimer. Et l'amour de Dieu conduit à des actions d'adoration, parce qu'on est être humain, telles que la communion fraternelle avec d'autres croyants dans le corps de Christ, par le repas du Seigneur, la lecture et prédication de la parole de Dieu, l'expression de notre amour par des chansons, par des prières, par une vie réglée par la parole de Dieu et par des bonnes œuvres. Toutes ces choses-là sont le fruit de notre amour pour Dieu et sont des actes adoratifs. Ces actions adoratives se produisent pour le véritable adorateur partout dans sa vie. Ce n'est pas juste le dimanche matin qu'on fait des actions adoratives. Ce n'est pas juste dans les groupes maison durant la semaine qu'on fait des actions adoratives. Celui qui est vraiment en amour avec Dieu, ça se produit partout dans sa vie, dans ton job. De manière que tu travailles et en fin de compte, une adoration de Dieu. Dans ta famille, la manière que tu vis
et interagis avec ceux de ta famille est en fin de compte une adoration de Dieu. Avec vos amis, dans l'église et dans ta vie privée quand que personne ne te regarde. Tout ce que tu fais en fin de compte, si tu aimes vraiment Dieu et que tu agis par amour de Dieu, tout ce que tu fais finalement devient une adoration de Dieu. En fin de compte, comme disait, c'est drôle de citer B.B. King dans une prêche, mais comme disait B.B. King, connaître Dieu, c'est de l'aimer. En terminant, on pourrait demander pourquoi Dieu nous enseigne dans sa parole qu'on doit l'adorer. N'est-ce pas un peu égoïste? Quand on pense, pense à ça. Mettons que, je vais me prendre comme exemple pour pas faire que quelqu'un d'autre soit mal à l'aise. Mettons que je viens ici en avant et je vous dis, adorez-moi. T'sais, je suis tellement bon. Mais j'aimerais entendre comment que je suis bon. T'sais, dites-moi à quel point je suis bon. Vous allez dire, ben voyons donc, c'est quoi ton affaire? Il est donc bien égoïste de se penser bon de main, tellement bon que le monde devrait l'adorer et dire à quel point qu'il est bon, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça que Dieu fait. Dieu, dans sa parole, dit, adore-moi, parce que je suis bon. N'est-ce pas un peu égoïste de sa part? Ben, peut-être si on réfléchit ça d'une autre manière. C'est pas juste qu'il se dit bon puis qu'il veut qu'on l'adore comme étant bon. Il donne même des conséquences à ceux qui ne l'adorent pas. Deutéronome 8, verset 19. Si tu oublies vraiment l'Éternel ton Dieu et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends une culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. N'est-ce pas Dieu un peu égoïste de dire des choses de même? Pensez-y un peu à l'exemple suivant. Ton ami s'en va manger dans un nouveau restaurant et découvre, à sa grand plaisir, que c'est la meilleure nourriture qu'il a jamais mangée de sa vie. Il n'a jamais mangé un repas aussi succulent. En fait, c'était chez André-Luc. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient te voir et dit, « Mon frère, je sais que tu avais des plans pour ce soir. Là. Change tes plans. » Je veux vraiment que tu viennes manger chez André-Luc. Il faut absolument que tu manges ce repas que j'ai mangé. Je n'ai jamais mangé rien pareil. Il faut vraiment. Mettre tout de côté. Je sais que tu allais manger un bon whatever quelque part, mais c'est rien comparé à ça. Fait que tu t'en vas puis tu découvres à ton grand plaisir aussi que qu'est-ce que tu avais planifié, c'était rien comparé à qu'est-ce que tu viens de manger. Est-ce que ton ami était égoïste de dire à toi, oublie tout ce que tu avais plein vie pour asseoir. Il faut que tu manges ici, parce que c'est tellement bon. Est-ce que ton ami est égoïste? Pas du tout. Au contraire, il est très généreux d'avoir partagé quelque chose avec toi qu'il aurait pu juste pas dire, puis tout garder pour lui-même, n'est-ce pas? Au contraire, de partager la bonté, c'est le plus grand acte de générosité que tu peux faire, n'est-ce pas? Bon, j'espère que vous voyez où est-ce que je m'en vais. Comme j'ai dit déjà, Dieu est la bonté en soi. Il est le bien ultime. Si on parle des biens, on peut les comparer et on peut dire, mais ça c'est bon, mais ça c'est mieux. Et Dieu est au-dessus de ça. Il est le bien dont on ne peut pas le comparer avec rien d'autre. Tout n'est pas bon comparé à lui. Et lui, il dit, je veux me partager avec vous. En fin de compte, de nous dire, viens à moi, je veux t'unir avec toi, c'est pas du tout égoïste. C'est comme ton ami qui dit, viens manger à ce restaurant, je veux partager le bien avec toi. Dieu est en train de vous dire, est en train de nous dire, viens à moi, je veux que vous partagez dans ce bonté que je suis. Je suis ton bien. Et je veux que tu sois uni avec moi. Ça, si vous vous rappelez de qu'est-ce que l'amour, ça c'est l'amour. Non seulement est-ce qu'on devrait désirer être uni avec Dieu, Dieu désire être uni avec nous. Prions. Seigneur, Dieu, tu es grand, tu es puissante, tu es amour. Dans ta présence se trouve la véritable joie. Et on veut être, Seigneur, parmi ceux qui se trouvent dans ta présence. On t'aime. Et le plus qu'on apprend de toi, le plus qu'on t'aime. Seigneur, aidez-nous de t'aimer à tout encore plus.
aider nos faibles cœurs qui ont tendance de se diriger vers d'autres choses au lieu de toi. Aidez-nous de voir ces choses comme ils sont. Des petits indices qui pointent vers toi. Des petits avant-goûts de ta beauté, de ta bonté, qui devraient toujours nous pointer vers toi qui est le beau, le bien, le vrai, qui devrait être le centre de nos vies. Et Seigneur, on veut t'adorer éternellement. Amen. I know you.